Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur CDS, le jeu que j'affectionne particulièrement. On va faire le boss final, Merlin, en difficile. Personnellement, moi je n'ai pas de stuff assez important pour pouvoir faire de l'extrême ou même ne serait-ce que de l'infernal. Et puis quand je vois l'endurance que ça prend, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. 48, 45, 42. Là, 16. Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Ouais, peut-être pour le top, pour les classements, mais... Enfin, moi, ce que je cherche à faire réellement, c'est de vider la boutique, tous les éléments qui peuvent nous intéresser. Donc, pour ce faire... Je me suis fait une petite équipe avec laquelle je ne joue pas d'habitude, mais qui là pour le coup fonctionne très bien. Donc Arthur, Gozer et les rouges. Donc Arthur pour l'immunité, ça marche très très bien pour éviter de perdre beaucoup ultime ou de prendre les malus que vous mettent les sorcières. Gozer ben, pour pouvoir acquérir ses cartes d'Arthur et les rouges pour avoir une bonne résistance pour éviter qu'on me la tue de suite et en plus de ça pour avoir la régénération avec son outil, donc c'est plutôt intéressant. Et de pouvoir aussi dès que vous soignez avec des cartes 2 étoiles ou 3 étoiles de récupérer des orbes supplémentaires pour toute équipe, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez voir comment ça va se passer. En principe, je n'utilise pas Meliodas. Ça va bien se passer. Ça dépendra surtout de la NRG. Bon, ben voilà, là, elle est pas présente, quoi. Donc moi ce que je fais en premier, c'est je tue la sorcière de droite qui va nous balancer un malus là. Allez, je crois qu'elle reste en vie. Et là vous baissez l'attaque de Merlin une première fois. Donc là on va avoir un boost avec Arthur, ça c'est cool. Là je vais être immunisé, elle peut faire ce qu'elle veut la sorcière. Je m'en bats les steaks. Au prochain tour du moins. On a enlevé quand même pas mal de vie. On va soigner. En même temps, on va charger les ultis. On va empêcher sa petite sorcière d'attaquer. Bon, ça, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Au final, ça sert à rien. Donc là on va faire sauter sa sorcière si on peut. On va se mettre la régène. On va se débarrasser de sa carte qui ne sert à rien. On va se mettre l'immunité. できているだろう。もう諦めたらどうだ。
La dernière, c'était vraiment pour m'en débarrasser. Donc là, ce que je cherchais à faire, c'est avoir un autre boost avec Arthur avant de passer au prochain tour. Sinon, je vais avoir beaucoup de difficultés. Là, les sons avec Elisabeth commencent à me gêner un peu. C'est vraiment à me gêner même. Je crois même que je vais faire ça. Voilà, comme ça, Gozer a presque son ultime. Alors, cette étape-là est très importante. Il faut vraiment tuer celle de droite, parce que sinon, elle va vous enlever tout le temps les bonus d'Arthur. Donc c'est vraiment primordial de tuer celle de droite en premier. Là on va se mettre en régène parce qu'on n'aura plus le boost d'Arthur après. Et on va faire une attaque simple avec Elisabeth. Voilà, et en plus là vous baissez la vie de Merlin en tuant les sorcières sur les côtés. C'est vraiment important d'abord de tuer les sorcières avant de vous attaquer à Merlin. Et non, cocotte. Ah, donc là, Merlin n'a plus beaucoup de vie, elle a plus beaucoup de PV, ouais, j'ai enlevé 12 000 PV et j'ai enlevé un quart de sa vie, quoi. Voilà, c'est fini. Assez easy quoi. Bye bye. Bon, je vais vous montrer mon équipe par contre. Je vous cache pas que j'ai mis l'équipement à chaque personnage à part, hein, Meliodas, de mes persos principaux. Donc les équipements les plus évolués que j'ai quoi. Je vais vous montrer ça. Donc Arthur, j'ai mis l'équipement de Hendrickson, donc les UR là, ne sont pas activés parce qu'ils sont attachés à Hendrickson normalement. Ensuite, Gozer,
J'ai mis l'équipement de Meliodas, je crois, dessus. Oui, voilà, ça. Donc, vous pouvez voir. Hein. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles. Ça a bien évolué, mais le problème, c'est que je peux pas faire du R avec Meliodas pour l'instant, car je ne l'ai pas dans mes personnages qu'on me propose. Tout simplement. Et ensuite, Elisabeth, elle a l'équipement de mon ban vert, voilà, ban vitesse. Pas vitesse. C'est quoi déjà les verts? Puissance, vitesse et. Donc voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Éventuellement, pourra peut-être vous aider. Si vous n'arrivez pas à faire le boss Merlin, moi je sais qu'au début j'ai galéré, donc j'ai demandé des petits conseils à droite à gauche. Et grâce à ça, maintenant j'arrive à la faire easy, vous voyez, la preuve en image quoi. Donc voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur CDS.